Et imaginez, il y a un rat mort dedans, frère. Ah! Yo tout le monde, je suis bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et ça fait plus de 3 ans que je n'ai pas mangé du KFC. Et là, aujourd'hui, je vais en acheter et en manger là. Et je vais voir de quoi ça a l'air. Ça fait hyper longtemps que je n'ai pas mangé. Hyper longtemps. A few moments later. Ça a pas assez cuit. Le poulet n'était pas cuit? Non, ben l'intérieur. Oh non, fais-moi pas. Et le monsieur qui était là, là, qui a dit que son poulet n'était pas cuit. Il a le seum là. Et j'ai mis la caméra sur lui une seconde. Il a dit, hey, fais-moi pas s'il te plaît. Fais-moi pas s'il te plaît. Bon, là, c'est bon. Là, je vais me servir quelque chose à boire là. On va y aller avec du crush. Oh, du crush en blanc. Pourquoi le crush est blanc? What the fuck? Ok, tu veux ça? C'est de l'eau. Le crush c'est de l'eau. On va aller avec du 7-Up alors. Celui-là doit être bon. Et celui-là il est mieux. Mais je comprends pas pourquoi le crush est blanc. What the fuck? Ça a aucun sens. Tu crush blanc. C'est de l'eau frère. Là on va commencer à manger le KFC que j'ai pas mangé pendant des années. Et en plus, il y avait un monsieur qui a dit que le poulet n'était pas cuit. Ça commence déjà mal, frère. Parce que moi, je pense que j'avais arrêté de manger du KFC parce que j'entendais beaucoup d'histoires là par rapport à... Il y a des rats dans le poulet, il y a des souris dans leur poulet, des gens aux États-Unis qui ont trouvé des cafards dans leur poulet, tout ça. Donc là, j'ai commencé à faire ça avec du KFC, tu vois. C'est pour ça que j'en ai même pas touché pendant des années. Et là, aujourd'hui, je me suis dit, vas-y, on va en manger un peu là. Et on voit de quoi ça a l'air. Et quand je mangeais avant là, frère, tous les jours on y allait, frère. Tous les jours après l'école, j'y allais, je mangeais les poulets popcorn, là, les croquettes là avec la sauce, la moutarde au miel. Ça c'était un délice. Un truc qui est sûr à 100%, c'est que j'ai jamais mangé de burger au PFK, au KFC. J'ai jamais mangé ça, jamais. Tout ce que je mange au KFC, c'était les poulets là. Vous voyez leurs poulets là, qui n'étaient pas trop cuits là, les croquettes, les frites. C'est tout ce que je mangeais. Là aujourd'hui, frère, j'étais obligé d'acheter ça et on va manger ça et on va voir de quoi ça a l'air. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé les frites de KFC, mais je sais que leurs frites sont bonnes. Quoi. C'est croustillant et quand tu prends ça avec la moutarde au miel, c'est pas croustillant là. Là, c'est pas croustillant là, c'est bizarre. Pas mal, mais j'en ai pas eu beaucoup, frère. Il y en a pas beaucoup. Et tout ça, frère, ça m'a coûté hyper cher tout ça. C'est de l'arnaque. C'est devenu de l'arnaque, moi. À l'époque là, frère, je parle comme si j'étais un grand-père. Avant là, ça coûtait pas cher. Là, tout a augmenté à cause de l'inflation. Là. Tout a augmenté. Là, il a tout coûté cher, frère. J'étais choqué du prix final de tout ça. Il n'y a rien en plus. Juste un burger, des croquettes. Il y a quoi ici, frère? Moutarde au miel, incroyable. C'est tout ça. Incroyable. Damn. On va goûter aux croquettes. Fuck. 3 ans plus tard, on va voir s'ils ont toujours le même goût. C'est dégueulasse, ou c'est toujours bon. Okay. Avec la sauce, moutarde au miel. Au moins c'est cuit. C'est cuit, c'est cuit, c'est cuit. Ah non, c'est validé. Avec la sauce moutarde au miel, c'est validé. Là, je vais essayer les croquettes avec la sauce barbecue. Au KFC, j'ai jamais pris de sauce barbecue. Je prenais toujours la sauce moutarde au miel ou du ketchup. Là, maintenant, on va essayer avec ça. Là. Sauce barbecue. Pas mal, pas mal, pas mal. Dernier coup avec les frites. Mmh. Oh, incroyable. Incroyable. On a assez mangé les croquettes et les frites. Là, on y va directement pour le burger. On va voir de quoi ça a l'air. J'ai jamais mangé de burger chez KFC. C'est la première fois qu'on le fait. Et imaginez, il y a un rat mort dedans, frère. Parce que... C'est une des raisons pourquoi j'ai arrêté de manger KFC, frère. Quand je voyais les trucs, là, les témoignages sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, des gens qui ont trouvé des rats, des souris ou je sais pas quoi, des insectes dans leur KFC, là, j'étais dégoûté, tu vois. Il n'y a rien dedans, c'est bon, il n'y a rien dedans, n'est-ce pas? Il n'y a rien dedans, non? C'est bon. Il n'y a rien dedans. Arrête de paniquer là, c'est bon.
On est là pour une autre bouchée. Et c'est pas mal, hein, en vrai. Et j'ai juste hâte que l'école finisse, là, c'est bon. J'en ai marre, là, on va aller en vacances, là. On va se reposer, là, un peu, là. Là, j'ai juste hâte que ça finisse, là. Ça va finir bientôt, en plus. Dites-moi dans les commentaires, vous, votre école finit quand? Moi, c'est censé finir bientôt, là, mais j'ai des examens de ouf, frère. Des dizaines et des dizaines d'examens, frère. Non! J'ai plus croqué, c'est fini, frère. Fuck! Je n'ai plus. Je n'ai plus. Oh non, il y en a, frère. Il y en a encore plein. What the fuck? Ouh! Non, encore, frère. On est bien. On est bien. Je sais pas pourquoi la meuf m'a donné deux sauces parmi que même pas donné deux sauces. Une tarte au miel, frère. C'est ça que je préfère le mieux. Mais bon, on va continuer avec le burger un peu là. Avant qu'on soit trop rempli et après qu'on ait plus envie de le manger. On le mange en même temps là. Allez, go. Faut que j'arrête de penser aux trucs bizarres là que j'ai lu là. C'est bon. Hein. On y va comme ça. A few moments later. Je sais que le KFC c'est de la grosse malbouffe. Donc là, il va falloir que j'arrête de. Je pense que j'arrête avec les dégustations là, frère. Là, je commence à en faire trop. Là, je ne vais pas finir à faire fin de dégustation par mois. Et là, finir. Tu vois. Il faut même que je commence à perdre ce que je mange là, frère. Le KFC que je viens de manger, il faut que je perde tout ça là. De retour à mon burger, je l'ai pas fini, frère. Je suis déjà presque rempli là. Je suis déjà même rempli à cause de la boisson. Bah, j'ai bu trop de boisson. Et bon, on va le finir quand même. Je pense que le poulet qu'ils mettent dans leur burger là sont cuits. C'est juste que le poulet qu'on mange comme ça là, que des fois ils sont pas cuits. J'ai déjà vu des trucs noirs là, tu vois, des trucs qui moi qui sont pas encore cuits là, complètement cuits là. Tu manges ça, tu sens la chair, frère. À un moment, tu sens la vraie chair, genre, tu sens que c'est pas cuit, frère. Mais c'est pas comme ça partout. J'imagine que c'est pas comme ça partout. Juste dans les KFC où je suis allé, dans tout ce que j'ai lu. Oh, j'ai mal. Ici, il y a de la sauce piquante. Vous connaissez ça ou pas? On va en mettre sur le burger. Oh, c'est piquant. Vas-y, on va en mettre sur le burger et on va voir comment ça va être. Oh oui. Allez, vas-y. Allez, on y va. Ça, c'est la dernière bouchée. La dernière de dernière bouchée. Mon avis sur KFC après 3 ans, honnêtement, c'est pas mal, c'est moins pire que je le pensais. En vrai, j'ai pas goûté les poulets seuls là. Vous voyez les poulets là dont les gens parlent, où ils disent qu'ils ont vu des trucs dedans, ils disent que c'est pas cuit. Je suis entré dans le magasin, un bug, comme je l'ai dit au début. Un grand-père a dit que le poulet n'était pas cuit selon lui. Il est sorti en rage là, il fait comme ça, hey, le poulet il est pas cuit, bon. Il est parti. Donc ça commence à faire mal, frère. Donc là, non, frère, je vais pas l'acheter le poulet juste pour risquer que ça va cuit, frère, et je rage après, frère. Non. Prochaine fois. Donc voilà pour la vidéo. Like, abonne-toi, fais du sport. Moi, ce que je vais en faire là, faut que je rentre sur mon courant. Comme ça, là, ça va faire du sport. Et tout ce que j'ai mangé au KFC là, ça va partir. Partage, peace pour une autre vidéo.